Et bonsoir à toutes et tous, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne du Centre Spatial Guyanais. On se retrouve ce soir pour suivre la mission VS-27, donc vol Soyouz 27, qui emmènera 34 satellites OneWeb en orbite. Et ce soir, je suis accompagnée de Vincent Bertrand-Noël, qui est spécialiste sauvegarde de vol. Et bienvenue, Vincent. Bonsoir, bienvenue. Du coup, est-ce que tu peux te présenter aux viewers? Je te laisse. Oui, pas de problème. Je suis Vincent Bertrand Noël, donc je suis responsable sauvegarde vol ici au Centre spatial guyanais. On est à peu près une douzaine de personnes à faire ce travail ici. Et donc j'y suis arrivé ici en 2017. On peut être responsable sauvegarde vol sur tous les lanceurs différents. D'accord. La sauvegarde vol, en fait, ça va être la protection des biens, des personnes et de l'environnement à partir du moment où le lanceur a quitté le sol, donc dès son décollage. C'est-à-dire qu'on est là le jour du lancement et on a le fameux bouton rouge pour intervenir si nécessaire. D'accord. Alors pour le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pour Vincent. On aura des petites sessions questions-réponses, donc vous pouvez, si vous voulez, commencer déjà à poser vos questions ou les garder pour plus tard parce qu'on va discuter de plein de choses sur la sauvegarde de vol aujourd'hui. Et on va commencer un petit peu du côté comment, du centre de contrôle, donc de la salle Jupiter qu'on voit actuellement à l'écran en direct. Hein, tout est en direct. Et en fait, on voit que la sauvegarde de vol, par exemple, là, si je me remets ici, et oula, non, hop, ici, et on voit sur ici, voilà, on a le MIO et on voit que tout est vert et on a également la petite case sauvegarde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi correspond en fait ce petit encart sauvegarde sur le MIO en fait? Ouais, c'est ça. En fait, il y a pas mal de cases. Évidemment, pour tirer, il faut que tout soit vert. Il y a un petit encart sauvegarde. En fait, la sauvegarde, elle va être cachée entre plusieurs cases vertes, en fait. Il peut être aussi un peu dans météo quand on va parler des vents en altitude. D'accord. Ce qu'il y a sous sauvegarde, ça va être l'aspect technique des moyens. Est-ce que toutes les stations fonctionnent pour la télécommande, par exemple? Etc. Et est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie majeure dont on est au courant qui nous empêcherait de faire notre mission correctement? Donc ça va passer rouge hein, s'il y a un problème ou si les opérateurs jugent qu'il y a un problème, ils ont une possibilité de le faire manuellement, un autre bouton rouge, c'est pas le même. Évidemment, si ça passe rouge, l'autorisation de lancement, elle a besoin qu'on puisse tirer en toute sécurité, donc elle va passer rouge aussi. D'accord. Donc on voit que la sauvegarde, quand même, enfin, la sauvegarde dépend aussi de pas mal de choses en fait. Elle n'est pas unique, comment? Elle dépend de plusieurs éléments en fait qu'il y a au centre spatial, c'est ça? Ouais, tout à fait, beaucoup de choses. En fait, on peut presque dire que tous les éléments du temps spatial, la localisation, la télémesure, ils sont là pour la mission sauvegarde, mais pas que, ils sont aussi là pour le public. Mais en fait, on profite des moyens qui sont mis en place pour nous aussi, pour montrer ça pour le public. Il y a d'autres choses aussi, évidemment, mais c'est principalement pour nous qu'on met des radars, par exemple, qu'on met des stations télécommande. Si on faisait pas de sauvegarde, on n'aurait pas besoin de stations télécommande du tout. D'accord. Alors, je vois qu'il y a déjà commencé à avoir des questions. Alors, je pense qu'on y répondra. Alors, j'ai vu les questions de Le Geek, mais je pense on y répondra juste après. Parce qu'on va passer, du coup, on va regarder un peu plus en détail de comment se déroule, en fait, comment. C'est vrai, comment ça se passe en fait en sauvegarde vol, c'est-à-dire dans quelle salle ça. Où se, entre guillemets, se gère, en fait, la sauvegarde vol Et ben en fait elle est pas sur la caméra du centre de contrôle le bokeh comme il l'appelle on n'est jamais là en fait il faut s'imaginer que la salle sauvegarde elle est située derrière le grand mur d'image que vous voyez elle est juste en face dans un autre bâtiment de l'autre côté de la grille donc c'est un bâtiment à part du centre de contrôle et à part de toute interférence donc les gens sont vraiment bien au calme ils font leur mission sauvegarde en équipe bien concentrée dans un bâtiment qui s'appelle Jupiter 1 et l'autre s'appelle Jupiter 2, donc les deux sont bien nommés. D'accord.
Et donc là, j'ai mis comment à l'écran en fait donc pour les viewers, vous voyez du coup une alors c'est la salle de, ça c'est une salle de simulation en fait qui s'appelle Emule, c'est ça? Ouais, Emule, ça veut dire, on adore les acronymes. Ça veut dire entraînement multi-lanceur. D'accord. C'est la salle qui nous permet de nous entraîner et en fait, elle est représentative de. En fait, c'est une copie de la salle sauvegarde avec moins de beige vieux. On est plus sur du blanc, les couleurs sont plus saillantes. Et puis, y a quelques boutons qui sont en moins. Par contre, y a exactement les mêmes postes. Donc, si on peut les parcourir, vous allez voir 4 personnes dans la mission sauvegarde pendant un lancement. Il y en a un tout à gauche sur les deux écrans qu'on voit, qui s'appelle la CVI, l'adjoint au contrôle visuel immédiat. Lui, il regarde la télémesure du lanceur. En fait, il a un rôle d'alerte. C'est lui qui nous prévient en avance s'il y arrive, si le lanceur a un problème. Il va regarder des choses comme l'état des centrales inertielles, les pressions des moteurs, et puis aussi le lien bord-sol de la télécommande. Si jamais on a un problème, un brouillage ou une antenne qui marche plus, on peut le voir par la CVI, il peut nous prévenir aussi. Donc il D'accord. regarde ses écrans et il crie à l'oreille du RSV qui va être juste à sa droite dans les écrans du centre, du milieu là de la photo. Et lui il va réagir en fonction de ses alarmes. Lui il va regarder en face de lui la trajectoire du lanceur. Alors il a OK. deux écrans pour trois dimensions, donc ça fait qu'il en manque une, mais c'est parce que il regarde d'un côté le point d'impact, D'accord. c'est-à-dire l'endroit où la plus grosse partie du lanceur retomberait si la poussée s'arrêtait à cet instant, si on arrêtait de lancer maintenant, on coupe tout. Et à droite, l'écran de droite, c'est la verticalité. Donc, on peut dire qu'il y a le plan XY à gauche et puis le Z à droite. D'accord, OK. Et c'est lui qui a la fameuse platine. Donc la platine, elle a un bouton rouge. Si jamais il doit intervenir, on appelle ça une destruction commandée. Et normalement, dans la plupart des cas, il a un autre bouton qui est jaune, qui est plus caché, qui est off. En fait, il éteint tous les équipements sauvegarde à bord. Par contre, cette décision, il ne la prend pas tout seul. Déjà, il a les alarmes de son CVI pour le renseigner sur l'état de santé, pour faire une meilleure décision. Et à droite, il y a ce qu'on appelle le RSVA, le responsable sauvegarde vol adjoint, qui lui regarde la trajectoire, mais sur un autre moyen de localisation. Donc, ils vont par exemple avoir deux radars différents. Et en fait, il va confirmer, si les deux confirment que le lanceur est dangereux, par exemple, il se dirige vers Kourou, je ne sais pas. On va prendre la décision à deux en fait. Les deux sont dans la boucle de décision. Il va être aussi responsable des moyens de localisation. Si jamais il y a un radar qui commence à planter ou quelque chose comme ça, il peut l'exclure manuellement. Il a des capacités d'intervention sur la partie localisation. Donc si on résume, à gauche c'était les mesures. Vous voyez que sur le MIO, bah, c'était un pavé vert. Au milieu, c'était les commandes avec le RSV. Lui était sous sauvegarde. Et à droite, c'était localisation avec le RSVA, qui est un autre pavé du MIO. D'accord. Et au niveau, par exemple, de la Et j'ai dit prise... Pardon. 4. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, moi c'était juste que j'avais dit 4, les gens vont dire il en manque un. C'est qu'il y a un remplaçant qui est au milieu, qui est derrière, qui a la vision d'ensemble, Ok. et il sait tout faire. Il peut intervenir en cas de besoin, en cas d'erreur. D'accord. Ça, ouais, c'est Voilà. vraiment le backup au cas où s'il y a un problème, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, j'allais dire, en fait, la prise de décision, en fait, elle doit se faire super rapidement. En fait, c'est vraiment le moindre souci, le moindre décalage sur la trajectoire, c'est décision est prise, ou il y a une petite concertation ou, avant, où il y a un... Est-ce que, par exemple, vous voyez les choses arriver un petit peu en avance ou pas On va dire que vous connaissez les scénarios qui pourraient arriver si on voit qu'il y a un léger décalage de trajectoire ou pas. Mais je pense que c'est presque une très bonne transition pour la vidéo qui va un peu résumer ça. C'est Mais vrai. pour répondre vite fait, c'est effectivement ces quelques secondes. Il y a des dialogues qui sont très presque militaires, très orchestrés. Et donc on fait un rebouclage très rapide. Et si le rebouclage est concluant, il faut intervenir. Et ben on intervient. Alors c'est vrai qu'on Mais va regarder. c'est rapide, hein. Ok. Et du coup, on va bah du coup, comme le disait Vincent, il y a une petite vidéo qui explique un petit peu comment ça se passe en fait au niveau de la sécurité, enfin de la sauvegarde de vol au niveau d'un lancement. Alors, je fais juste alors attendez, hop. Ça et la petite vidéo va se lancer tout seul.
Pour atteindre son objectif, la mise en orbite de satellites, chaque fusée lancée depuis le centre spatial. Donc là, par contre, le son, Vincent, si tu écoutais le son, ce sera sur Twitch parce que là, on l'aura pas. Cette trajectoire est définie à l'avance et ne doit passer au-dessus d'aucune zone habitée. Dès le décollage, une équipe de 4 personnes surveille le comportement de la fusée et son bon fonctionnement. Elle ne doit pas sortir de son couloir de vol, la zone de sécurité dans laquelle la fusée ne présente aucun danger. Si le lanceur dévie trop de sa trajectoire, là on voit le couloir de trajectoire, c'est ça ? L'ordre de se détruire et ce avant. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on est sur un lancement S, c'est un peu plus une Ariane, là, une Ariane 5. Cet ordre est donné en appuyant sur un bouton rouge connecté. On voit évidemment que ce couloir il est à côté de la trajectoire et qu'il n'est pas très large. Grâce à plusieurs entraînements par semaine pour se préparer au pire des situations, l'équipe se tient prête à réagir à chaque lancement avec un sang-froid à toute épreuve. Donc c'est censé vous représenter tous à sauvegarde vol. Ouais. Alors c'est schématique, on voit bien que sur la photo de la salle, on n'est pas juste à côté, on est un peu séparés, mais alors, c'est nous. Voilà, je remets du coup les images de Emule. Regardez parmi les questions, parce qu'il y avait des questions qui ont été posées aussi sur Twitter. On parlait de bouton rouge. Est-ce que, du coup, il y a vraiment ce bouton rouge, le fameux, tu sais, un peu imagé, tout le monde pense qu'il y a un gros bouton rouge, on appuie, ça détruit tout. Est-ce que c'est vraiment le cas, du coup? Oui, c'est ça, c'est un vrai bouton rouge. Donc, comme je disais, il y en a deux. Il y en a un jaune pour tout éteindre et un rouge pour intervenir. Le rouge, par contre, on va pas être comme sur les gros boutons rouges des escalators, des choses comme ça, où tout le monde peut appuyer dessus. Il est évidemment que à côté du RSV, et en fait, il a un capot, c'est-à-dire qu'on peut pas appuyer par erreur dessus. Mm-hmm. C'est quand on est d'accord avec le RSVA qu'on va lever ce capot et mettre le doigt à côté du bouton. D'accord. Et y a des marques qui demandent est-ce qu'il y a un capot, du coup. Des marques dans le chat. Ah oui, c'est même fin parce qu'il y a un capot horizontal pour l'un et vertical pour l'autre. Donc les gestes sont différents si on veut intervenir ou laisser partir. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, comment on est choisi en fait pour ce type de poste en fait? Est-ce qu'il y a une sélection ou quand tu es arrivé au CSG, tu faisais d'abord un autre, t'étais sur un autre poste et ensuite on t'a mis sur la sauvegarde vol. Comment ça se passe un petit peu? C'est vrai que je vais parler de mon parcours au début. En fait, je suis arrivé ici en 2017. Avant ça, je faisais des opérations sur les satellites Galileo. Donc, en fait, c'était un poste complètement différent. Mais c'était très, très système, un petit peu, en fait. Donc, on va chercher des compétences de gens qui connaissent pas mal de sous-systèmes du spatial et qui savent analyser des choses, puisque c'est un métier où on va faire aussi des dossiers de soumission technique, c'est-à-dire analyser des systèmes techniques et vérifier qu'il n'y a pas de risque, et en plus de ces opérations. Ce qui est aussi recherché, ça va être des profils très différents parce que tous les gens qui ont fait la même formation, ils réfléchissent pareil. Donc là, c'est assez intéressant parce que dans le département, on va être 12-13 et c'est des personnes complètement différentes avec des profils très différents qui suivent par contre une formation. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend sur place, sur le tas, avec une formation qui est assez longue. D'accord. Pour être RSV, il faut entre 2 ans et demi, 3 ans. Ah oui, ok. D'accord. Et en fait, la formation, c'est-à-dire vous la commencez, mais est-ce que vous êtes déjà sur poste ou en fait, il faut vraiment terminer sa formation en entier avant de commencer à être à la sauvegarde? L'avantage, quand on a vu la salle, c'est que chaque poste a son sous-système. Donc en fait, on va commencer à CVI parce que là, c'est de l'alerte. Donc les conséquences du petit, si on se trompe... Donc on apprend l'aspect des mesures d'abord avec la CVI, puis l'aspect opérationnel, puis après on fait RSVA, puis après on fait RSV. Donc on peut commencer assez tôt à faire des lancements, mais on va commencer par faire CVI et RSV ce sera à la fin. D'accord. Alors je vais regarder dans la question du chat, alors je remonte un petit peu... Je suis désolée, pour le chat je suis en train de remonter parce que j'ai vu qu'il y avait eu des questions un petit peu avant tout à l'heure. Alors, il y a une question, mais c'est par rapport plus à... Comment
au risque de, par exemple, au niveau de la trajectoire, parce que on voit qu'apparemment il y aura un autre lancement ailleurs, donc à Cap Canaveral ce soir. Mais est-ce que, par exemple, il y a la question d'Andromède, est-ce que l'autre lancement peut affecter en fait le lancement de ce soir du coup Alors j'ai pas vu à quelle heure était l'autre lancement Andromède, donc je sais pas précisément si à quelle heure est le lancement à Cap Canaveral. Mais est-ce que, par exemple, Ah quand oui. on au niveau de la sauvegarde vol, vous devez aussi gérer ça ou pas, par exemple? Le fait qu'il y ait potentiellement des croisements. Non, parce qu'en fait le lanceur il va aller très vite vers le haut, donc Oui. la façon dont ils vont très peu se croiser, c'est encore moins de risque que deux avions se croisent. Oui, c'est ça. Et puis le lancement Astra, je crois, il descend vers le sud puis il va vers l'ouest, donc il va passer plutôt au niveau de Cuba, je crois, tout ça. Donc, il D'accord. passe pas au-dessus de la Guyane. Ok. Alors que nous on part plein nord, donc je pense qu'il n'y a aucun risque là-dessus. Et puis ils sont pas à la même heure, on a dit, ouais. Oui, c'est ça. Et je crois qu'ils sont, ouais, ils sont à 19h apparemment et non à 19h09. Alors oui, petit rappel comment pour le décollage ce soir, donc le décollage est à 15h09 heure de Guyane et 19h09 heure de Paris. Voilà. Pour ceux qui demandaient, de toute façon, vous avez la commande heure dans le chat, en fait, vous pouvez, si vous avez besoin de vous remémorer le décollage ce soir, enfin l'heure du décollage du T0, n'hésitez pas à utiliser les commandes qui sont dans le titre, en fait, que vous voyez dans le titre du live. Et également, petit rappel, vers la fin du live, bon, on s'arrêtera après le décollage et on vous invitera à suivre, en fait, la suite du lancement sur la retransmission de OneWeb. Du coup, vous avez le lien avec la commande OneWeb. Et on vous invitera du coup, si vous voulez suivre en fait la suite du lancement, à aller sur le live OneWeb. Voilà. Alors, je vois. Alors, si vous avez d'autres questions pour Vincent à propos de la sauvegarde vol ce soir, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'ai prévu mes questions aussi, hein, donc n'hésitez pas le chat. Ah bah, super question de Bedouji. Est-ce qu'une personne qualifiée RSV peut exercer sur tout lanceur? Ouais, c'est une super question et la réponse est oui. En fait, on peut faire tous les lanceurs. Alors, évidemment, il y a des petites spécificités à connaître. Donc, on passe des examens en interne pour savoir si on sait bien les spécificités pardon, de chaque lancement. Mais par contre, opérationnellement, ça va être très proche puisque les systèmes à bord vont être les mêmes. C'est les mêmes équipements et ils partent de la même station. Donc, ce qu'on va faire dans la salle. Sauvegarde, mis à part quelques petites spécificités, comme je dis, c'est assez similaire. Donc on fait tous les lanceurs. D'accord. Le dernier que j'ai fait, c'était James Webb. J'ai fait des Vega avant et j'ai fait d'autres choses en bas. En parlant du James Webb, est-ce que ça c'est stress? Est-ce qu'il y a des missions, par exemple, qui t'ont marqué au niveau de l'importance de la mission? En fait, tu te dis, aïe aïe aïe, si j'appuie, c'est pas bon. Bah, on se le dit un peu à chaque lancement parce que ça coûte cher. Ce qu'il y a dans la coiffe, ça coûte presque 10 fois ce que le lanceur coûte. Hein, mais sur un James Webb, où effectivement, quand ça monte à 10 milliards, on va pas sentir de pression le jour J parce que on s'entraîne beaucoup et donc ça devient assez des réflexes automatiques. Par contre, c'est dans la préparation, on sent que sur des campagnes comme ça, il va y avoir beaucoup plus de pression côté direction, management, côté public, côté. Ou même que ce soit. Oui, sollicitations de l'extérieur, hein. Il y a des lancements qui sont beaucoup plus plébiscités dans les actualités, donc c'est C'est plutôt sûr. avant le lancement que ça se sent. D'accord. Et par exemple, en fait, si t'es amené en fait à devoir détruire le lanceur, comment ça se passe en fait les répercussions? Comment en fait il y a cet après en fait? Comment ça se passe en fait, tout simplement? Et bah, c'est un sujet assez long et hyper complexe. Ça dépend où ça retombe et chez qui ça retombe. Mais je vais simplifier en disant qu'il y a une cellule de crise qui est là avec tout le monde et tout ce qu'il faut si nécessaire sur le site. Donc, il y a la sauvegarde sol qui fait le travail de protection des biens avant que le lanceur décolle, mais aussi qui est là aussi pour aider cette cellule de crise organisée. Et avec eux, il y a le préfet, il y a la directrice du centre spatial. Donc, si jamais il y a quelque chose sur le centre spatial, la directrice va avoir toute autorité. Mais si je tombe à Cayenne, là, c'est le préfet de Guyane. Et si je tombe au Canada, bah, le préfet de Guyane, il peut rien faire. Donc, il faudra passer à des choses plus internationales. Donc, il y a une cellule de crise, mais qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident? En fait, on fait des exercices de crise, mais ça dépend de l'accident. D'accord. Hop.
Et du coup, par exemple, alors je ne sais pas si tu as le droit de l'expliquer ou pas. En fait, toi, pour toi, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas toi qui dois contacter toutes ces personnes, en fait? Comment vous gérez, en fait, ce côté où, bah, voilà, tu sais que le lanceur est détruit. Quel est le rôle de la sauvegarde vol, en fait, après ça, en fait? Bah déjà, c'est de prévenir tout le monde qu'on est intervenu, parce qu'il faut qu'ils le sachent le plus tôt. Et après, effectivement, c'est la directrice qui va se charger des grosses conséquences. Donc, nous, on va avoir un rôle d'information sur cette cellule de crise. C'est nous qui avons les données au plus proche et le plus rapidement, parce que parfois les délais sont très courts. On va faire ce rôle d'information. On a quelques rôles qui peuvent aider. Par exemple, on est en lien avec, mais on verra après avec les parties zones de retombée, mais on est en lien avec le contrôle aérien si besoin. On peut D'accord. les appeler directement. On verra ça plus tard. Oui, c'est vrai que là j'ai vu qu'on était un petit peu en avance du coup sur SO, j'ai pris quelques questions en plus. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. On passera juste à. On les garde, ne vous inquiétez pas. On va passer un petit peu à la spécificité du lancement d'aujourd'hui, donc qui est un lancement Soyouz. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu enfin, par exemple la différence qu'il y a au niveau de la sauvegarde vol sur un vol Soyouz par exemple, par rapport à une Ariane 5 ou Ouais. une Vega? Pas de problème, et on va se douter que c'est assez spécifique parce que Soyuz il est arrivé ici, il était déjà fait. C'est une vieille dame mais qui marche très bien. Donc en fait, on est venu se brancher dessus. C'est-à-dire que l'intervention sauvegarde sur Soyuz, là on voit le postérieur du lanceur avec tous ses tirs, ça va être un arrêt d'urgence de vanne. On appelle ça la VD. Donc toutes ces vannes ici, si on intervient, on va couper toute propulsion. C'est un ordre qui va partir de l'intérieur, qui va tout arrêter et progressivement les moteurs vont s'éteindre et le lanceur va tomber pas plus loin. C'est-à-dire on sait à tout un temps où il est, on sait qu'il n'est pas dangereux, il faut juste qu'il n'aille pas plus loin et on va le laisser retomber. C'est ça la capacité de Soyouz. Parce que les autres lanceurs ont Ariane 5 ou Vega, ils ont des cordeaux, par exemple pyrotechnique, ou ça va faire des coups pyrotechniques où on a plus de chances de voir les choses exploser que sur Soyouz. D'accord, oui, c'est vrai, en fait, ça fait vraiment comme un point mort, en fait, un point mort qui retombe, en fait, tout simplement. Ouais, et il sait le faire tout seul aussi. C'est-à-dire que ce mécanisme d'arrêt d'urgence des vannes, c'est quelque chose qui est interne au lanceur et qui peut pousser avant nous. D'accord. Et parce que du coup, justement, le lanceur Soyouz ST pour spécial tropique, parce qu'il y a dû avoir des changements en fait pour s'adapter aux régulations françaises pour tirer depuis le centre spatial guyanais. Est-ce que les personnes de la sauvegarde de vol participent en fait à la mise en place du logiciel de bord, par exemple, pour justement couper les vannes, même si tu viens de me dire qu'il y avait un logiciel interne déjà sur le Soyouz qui faisait ça, mais est-ce que pour, entre guillemets, avoir le contrôle du lanceur depuis la salle sauvegarde, vous avez dû intervenir ou pas, ou c'est vraiment c'est les Russes qui s'en occupaient ou pas Bah, ça va être les Russes qui sont quand même responsables du lanceur et qui font à peu près tout. Ceci dit, évidemment, comme ça touche la sauvegarde, on a un rôle de contrôle. Donc, on va recevoir des informations qui vont nous permettre de contrôler que tout est bien fait. Et on part que si on a eu des informations, qu'on est sûr que tout va marcher. D'accord. Et après, il y a quelques opérations sur le lanceur, mais ça va être justement sur les équipements qui ont été rajoutés, dans la tropicalité, avec les équipements sauvegarde qui servent à dialoguer avec la base de lancement. Ok. Alors, je vois Donc c'est pas juste. les choses que Soyuz fait, c'est les choses que nous on a mis dessus. Ok, ouais. Mais justement, est-ce que, par exemple, les personnes de la sauvegarde vol ont été impliquées sur ce logiciel rajouté, en fait? Ou c'est Non. un prestataire annexe Non, qui a alors été. j'ai peut-être pas été clair. Le logiciel il est déjà là. Ah Et oui, après on a d'accord. rajouté des équipements. Le lanceur peut faire l'arrêt d'urgence des vannes lui tout seul. Et nous on lui demande de le faire en plus. On peut déclencher Ah oui, cette d'accord. commande Oui. par l'extérieur. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. D'accord, pardon. Ok. Alors, je vois s'il y a des. En fait, il y a des petites pertes de connexion chez toi, Vincent, parce que moi, je t'entends pas très bien. Donc, comment? Même là, ton écran était un petit peu figé. Donc, ne nous inquiétez pas dans le chat. Vincent est toujours là. Je suis Alors. là. Je regarde. Est-ce que. Alors. Alors, je regarde. Par exemple, il y a une question de Bédougie qui demande, par exemple, est-ce que sur. Bon,
Est-ce que sur Soyuz, vous avez déjà dû appliquer, en fait, appuyer sur le bouton rouge ou pas? Enfin, là, ce que la question de B12J était particulièrement sur l'Ariane 5, mais je vais y venir juste après. Mais là, vu qu'on est sur le Soyuz, est-ce que, par exemple, ça a dû déjà se faire ou pas au CSG? Non, Soyuz, il a une copie propre au CSG chez nous. Tant mieux d'un côté, tant mieux. Tant mieux. Mais du coup, pour les autres lanceurs, est-ce que c'est arrivé ou enfin, depuis que t'es sur le poste, est-ce que t'as dû, enfin, y a eu comment? Par exemple, depuis quand, enfin, Ouais. combien de boutons rouges ont été actionnés pour Ariane 5? Depuis que je suis là, Ariane 5 0, pareil, ça marche assez bien. Vega, il y en a eu un, V15. D'accord. Ok. Donc ça va, il y a pas, V17 c'est. a aussi eu un échec, mais c'était après que la mission de sauvegarde d'intervention, comme on l'appelle du début, soit passée. D'accord. Et du coup, justement, c'est bien que tu t'en parles. Votre mission, la sauvegarde, en fait, elle dure enfin, à partir de quel moment jusqu'à quel moment au niveau du lancement, en fait? En fait, on va le faire dans les textes, c'est jusqu'à la fin de capacité d'intervention, D'accord. c'est-à-dire qu'on va le faire jusqu'à ce qu'on puisse plus. Donc ça, grosso modo, ça fait entre 300 et 500 secondes. Hein. Ok. Donc, ne pas entendre ça à la retransmission, mais sur les boucles internes dans le bocal, à un moment donné, le RSV dit fin de mission de sauvegarde, c'est-à-dire que il a fini, il a laissé partir le lanceur. Ça arrive à peu près entre 300 et 500 secondes après le début. D'accord. Ah, j'ai une question de ZFK qui dit, est-ce que tu t'occupes du lancement ce soir? Non, enfin, je pense que non, mais je sais pas, je peux me tromper. Ben non, oui, si je suis là, c'est que c'est les collègues. Ok. Sinon, ça ferait à peu près 6-7 heures que je serais en salle. Et oui, parce que c'est ça, vous Donc, je devez suis être quand très même très heureux. vachement tôt sur place, c'est ça, et vous sortez pas. Ouais, on y va, on sort pas, on vérifie que tout marche, on prépare la partie télécommande, s'assurer qu'il y a bien le lien et monitor jusqu'à ce que ça parte. D'accord. Ok. Alors c'est bon, j'ai eu un check du chat qui dit que l'image saute, mais l'audio est très correct. Donc c'est bien, on t'entend bien, Vincent. Alors une autre question de B12J. Ah non, j'ai pas vu, pardon, la question de Fred Moissac. Est-ce que en fait, il y a une coordination internationale au niveau des lancements? Est-ce que, par exemple, y a le calendrier des lancements, est-ce que vous dites, ah ben non, nous. Enfin, est-ce que il y a un côté où vous gardez quand même un contact avec les autres centres de lancement ou pas? Bah, pas de notre côté. Oui. Comme je disais, il y a une coordination internationale, mais c'est plus au niveau du contrôle aérien où on va déclarer zone d'exclusion. Mais on va pas lancer tel jour parce que les Américains lancent tel jour, en fait, parce que généralement on se marche pas dessus. D'accord, ok. Une autre question de Le Geek, enfin, plutôt une affirmation, mais du coup, c'est vrai que quand vous êtes en pleine campagne de lancement, en fait, vous passez quasiment toute la journée sur place, c'est ça? Ouais, le H0, on passe toute la journée sur place. C'est pour ça que quand ça bouge sur plusieurs jours, ça fait des longues journées et ça se répète. Parce qu'en Après, plus. Pardon. une campagne, c'est peut-être 2 mois au final à peu près. Donc, Ouais. c'est une grosse période de travail prolongée. Et ça, c'est que l'accomplissement de la fin de la campagne. D'accord. Et en plus que vous voyez pas du tout le lancement en fait, parce que vous restez du coup enfermé dans la petite salle qui est un petit peu éloignée. Et ouais, c'est un peu triste. À chaque fois, mais les gens du centre de contrôle le voient pas non plus. C'est-à-dire qu'ils bossent Oui. dessus, mais ils le voient pas. Quand on bosse sur un lancement, on est content de le faire, mais en contrepartie, on le voit pas. Là, on est même à l'intérieur d'une salle. Il y a quand même des choses qui se sentent. C'est-à-dire entre l'entraînement, on va le faire, ou c'est que sur l'écran. Le jour J, quand il y a une Ariane 5 qui passe, bah, on l'entend pâter. Donc ça Oui. change. Hein. Et c'est vrai, enfin, est-ce que par exemple comment? Enfin, c'est ça, est-ce qu'il y a quand même une différence qui se ressent au niveau de la gestion de la sauvegarde vol par rapport aux autres lanceurs où ça reste concrètement toujours la même chose, plus du point de vue sauvegarde que du côté, on va dire, logiciel qu'il y a sur les lanceurs. Sur la sauvegarde, la campagne en général, ça se ressemble beaucoup. Alors, les atmosphères sont très différentes parce qu'on travaille quelque chose d'européen, quelque chose de plus italien, quelque chose de plus russe. Mais globalement, on est en interface avec l'opérateur de lancement, c'est Arianespace. Donc, on a toujours les mêmes personnes en interface, on a toujours le même genre d'infos qui nous arrivent.
et on prépare de la même façon. D'accord, très bien. Alors j'ai une question de Bedouji, mais je crois qu'on y avait déjà répondu avant qu'on passe du coup aux zones de retombée. Est-ce que du coup le bâtiment sauvegarde, je sais plus ce que tu avais dit, où est-ce qu'il se trouve au niveau du centre spatial Guyanais, enfin au moins, enfin si t'as le droit de le dire ou pas. Je l'ai dit, c'est Jupiter 1. Il est quand vous allez à Jupiter 2 et que vous regardez un lancement, il est juste en face de vous, donc il est à côté. D'accord. Parce qu'il demande surtout quand la sauvegarde de vol. Alors ça, c'est une question de... Enfin, c'était la même question de Bedouji, si t'es à Toucan ou pas. Donc non, oui, ce n'est pas. C'est loin, c'est pour aller regarder le lancement, mais nous, on est très loin. D'accord, ok. On va passer du coup aux zones de retombée, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse partie de la sauvegarde de vol. Enfin, on en avait discuté. Et du coup, donc là, tu nous avais envoyé des images, en fait, des zones de retombée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit à l'écran? Ouais, alors, il y a plein de lignes, toutes les couleurs, c'est super beau. Mais... donc, je vais essayer d'y aller doucement. En fait, là, ce que j'ai préparé, c'était une zone... il va y avoir trois images. C'est des zones de retombée du lancement VS-27. Donc là, qui vont se passer. On voit, on part plein nord, parce qu'en fait, les zones de retombée... c'est-à-dire les zones où vont retomber chaque étage du lanceur, ça va être les petits carrés verts sur l'image. Donc là, on voit les trois premiers, ça va être les quatre boosters pour le premier, la coiffe pour la deuxième, et puis le bloc A, donc le premier étage cylindrique pour la troisième. Et en fait, on est sur ces zones qu'on retombe, on retombe dans l'eau, c'est ça qui est important, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de terre dans l'eau. Et aussi... on voit plusieurs zones différentes. Alors les zones en jaune, c'est ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire c'est chez qui on est. Donc on voit bien la Guyane, la Suriname, le Guyana, Venezuela là, sur l'Amérique centrale. Et la zone qui part de la Guyane, qui part du bas de tir, c'est la zone économique exclusive de la France et qui part dans les mers, c'est-à-dire la zone où la France a le droit d'exploiter les eaux. Donc quand on tombe là-dedans, on tombe chez nous, ça fait pas de problème, mais il y a une nécessité de prévenir les gens. On va pas pouvoir nous interdire de lancer, par contre il va falloir par politesse lancer des circuits diplomatiques. Ce qu'on fait, c'est le genre de choses qu'on fait justement quand on prépare les campagnes, pour prévenir, attention, vous auriez des morceaux de fusée qui vont chez vous, et on leur envoie à peu près où ça va tomber. Ces zones de retombée, c'est des zones à 10-2, c'est-à-dire 3 sigma, une chance sur 10. Parce qu'on va pas mettre des zones à 10 moins à 1 million, parce que ça va faire toute la Terre au bout d'un moment. C'est sûr. Voilà, mais donc c'est les zones, et aussi les zones qui sont déclarées, comme on disait, au niveau du contrôle aérien et du contrôle maritime, comme les zones de NOTAM, Notice to Airmen, et puis les avis urgents aux navigateurs, pour éviter que les bateaux et les avions passent dedans pendant la période où ça va pouvoir retomber. Alors ça va être une petite heure ou plusieurs heures quand on va aller sur l'étage d'après, parce qu'il y a plus de dispersion. Et on voit que ça tombe là, par contre, évidemment, tout l'espace international doit être géré, parce que les avions, ils baladent partout. Donc c'est les zones en bleu. Donc quand ça tombe chez ces gens, on prévient, ils déclarent les notables. Et du coup, les routes des avions peuvent être prévues sur les plans de vol pour les éviter. Et le contrôle aérien, lui, on est justement dans la cellule de crise, il y a aussi le contrôle aérien à Cayenne. D'accord. Il peut, par exemple, il peut aussi vérifier que quand on lance, il n'y a pas d'avion dans ces zones. Donc ouais, on peut passer sur la deuxième photo, parce que là, on va voir qu'évidemment, plus on monte, plus le lanceur va se satelliser, donc plus ces zones vont s'écarter. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de zone pour tomber, puisque le point d'impact, il est plus sur Terre, il est dans l'espace. Et en fait, on va voir que sur la zone du bloc I, donc le bloc d'après, on va être entre le Groenland et le Canada. Donc on est toujours plein nord. Et en fait, elle est calée après exprès pour être dans l'eau, dans ces zones-là. Donc la trajectoire est adaptée pour que ces zones de retombée soient dans des eaux non dangereuses. D'accord. Et voilà, c'est ça qu'on voit avec la quatrième zone, donc on monte plein nord. Enfin, évidemment, après, on va faire plusieurs fois le tour de la Terre et la zone de retombée du dernier étage, parce que dès qu'on peut désorbiter le dernier étage aussi, donc là, on va pouvoir le faire. Elle va être à des endroits plus farfelus, parce qu'on va avoir fait plusieurs fois le tour, la Terre aura tourné, puis la zone sera plus grande, donc on peut passer à la troisième. Photo. On va voir où le frégate, lui, va retomber. Le frégate, il va retomber au sud de Madagascar, dans l'océan Indien. D'accord.
Donc oui, il y a vraiment uniquement lui qui peut... En fait, est-ce que c'est-à-dire que c'est il peut tomber toujours à cette zone-là ou en fait c'est vraiment au cas où ça peut arriver, il peut tomber sur cette zone-là? Bah, c'est là où, où est la subtilité, c'est-à-dire que ça, Oui. c'est les zones de retombée nominales. Donc, D'accord. si tout se passe bien, on est sûr qu'il y a une chance sur 100 que ça retombe ici. Ok. Si ça se passe pas bien, bah, c'est pour ça qu'on a le lien avec les contrôles aériens, parce qu'on va pouvoir faire la deuxième mission sauvegarde, qui est la MSA, la mission de surveillance et d'alerte, pour prévenir le contrôle aérien si ça tombe pas au bon endroit. Puisque là, on a beaucoup plus de temps avant que ça retombe, donc on va être capable d'aller calculer où à peu près ça va retomber, et on va prévenir, et on va avoir le coup de fil. Bon, alors faut arriver à passer la barrière de la langue, je pense, Oui. mais en fonction de si ça retombe à des endroits spécifiques, mais au moins on a des capacités d'essayer d'aller les prévenir. D'accord. Donc oui, enfin, par exemple, si, par exemple, si vous savez que ça va retomber en dehors de la zone nominale, on va dire, est-ce que c'est vous qui devez, enfin, c'est vous qui devez appeler ou en fait il y a un autre comment? Il y a un autre service qui s'en occupe? Bah, là, c'est nous pour les zones aériennes parce qu'on a l'info au plus proche. Et puis, des fois, comme on dit, le temps est limité. Donc, en fait, on a des numéros d'astreinte des FIR, des Flight Information Region. Je crois que c'est ça veut dire une FIR. Et on peut le faire. Mais d'habitude, c'est vrai, ce que j'ai expliqué avant, c'est qu'on donne plutôt les informations à la cellule de crise. D'accord. Alors, je vais voir s'il y a des petites questions ou pas, ou est-ce que tu veux On a rajouter quelque chose? aussi. Ouais, je peux rajouter qu'on a aussi une base arrière d'études qui sont automobiles, je les salue d'ailleurs, c'est les collègues, qui peuvent nous aider à raffiner les calculs justement en cas de problème. Ils sont activés en chaque lancement et ils peuvent aider justement dans ce cas-là ou des cas un peu bizarres, c'est-à-dire on ne sait pas trop quel est le scénario qui s'est passé, on va faire plusieurs types de calculs, hypothèses pour faire des choses comme ça, ils sont là en support. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des questions assez intéressantes. Par exemple, tu vois, s'il y a des morceaux qui retombent dans l'eau, et que, par exemple, il y a des gens qui tombent, enfin, qui retrouvent ces morceaux de fusée, c'est-à-dire, ça peut être en Ariane 5, Soyouz, etc. Est-ce que, bon, après, tu m'avais expliqué une fois que enfin, tout est fait pour que les morceaux coulent et qu'ils ne flottent pas, justement. Oui, alors après, il y a quand même eu des images de coiffe, parce que la coiffe, c'est plutôt des panneaux en nid d'abeille et en peau carbone. Donc Oui. ça peut faire un peu des fois des coques de bateau. C'est vrai que dans les nouvelles, on a vu que ces bouts-là des fusées qui sont retrouvées. En général, là, il faut prévenir Ariane Espace parce que c'est leur propriété. C'est eux qui vous ont jeté une poubelle dans votre jardin. Donc voilà, il faut juste prévenir. Vous dire, j'ai un bout de coiffe chez vous. Vous pouvez vous aider des stickers qui sont dessus, puisqu'on colle toujours des stickers de la mission. Mais au moins vous gardez un... Mais en fait, c'est ça, la question de Robin, c'était est-ce que par exemple, si un particulier tombe sur un morceau en fait de coiffe ou quelque chose comme ça, est-ce qu'ils peuvent ils peuvent le récupérer du coup? Eh ben ouais, c'est une bonne question, mais en fait, moi je sais pas trop répondre. Déjà, par contre, le seul truc que je dirais, c'est que je vous déconseille de prendre autre chose que des coiffes. Bon, déjà, faut pas prendre les coiffes. Mais il y a des morceaux de il y a des morceaux où il y a des où il y a du de l'hydrazine, des choses comme ça. Si Oui, c'est ouais. des étages supérieurs, il y a des choses qui sont toxiques. Oui, donc évitez tout ce qui est du coup. Enfin, si un jour ça vous arrive, même si c'est pas censé arriver, si vous tombez Mais sur un étage où il y a un moteur, en fait, un des étages qui est placé près des moteurs, surtout n'y touchez pas parce que c'est ça le risque avec les ergols, c'est que ce soit toxique ou même que ce soit encore dangereux parce que les ergols sont présents encore potentiellement dans l'étage, même s'ils sont censés être vidés, il reste toujours un petit peu. Donc évitez de vous approcher, même d'une coiffe, voilà, on sait jamais si ça peut faire. Ça peut. Parce qu'en fait, tu disais que on évite de les faire flotter pour éviter que justement les bateaux se prennent les morceaux, en fait, c'est ça. oui, c'est ça, ouais. Il faut évidemment que pas que les bateaux passent se récupèrent des pas flottants. Et quand bien même s'il y a des débris quelque part, les débris, que ce soit des débris naturels ou des débris issus d'une neutralisation, par exemple chez nous, c'est pas des informations qui sont hyper importantes et hyper utiles pour nous parce que ça permet de raffiner les modèles. Comme on détruit pas chaque fusée. Avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe quand on a détruit, c'est super intéressant. Donc, si vous en trouvez, ramenez-les nous, c'est ça le message.
Donc voilà, maintenant vous savez, vous pouvez. Si un jour vous trouvez un morceau. Alors après, au niveau du Soyuz, en fait, la particularité, c'est comme tu disais, c'est que comment, les moteurs, enfin, vous coupez les moteurs tout simplement, donc il n'y a pas vraiment de destruction du lanceur, il retombe juste simplement. Mais du coup, en fait, est-ce que il y a comment, possibilité que ça se récupère? Parce que par exemple, l'Ariane 5, c'est ça, et la Vega, c'est plus une explosion, on va dire. Qu'au niveau du Soyuz, ça tombe en entier. Est-ce qu'il y a quand même une dispersion des morceaux du lanceur sur une zone précise ou quand... Est-ce que vous... Bah, le souci, c'est que c'est pas parce que je vais juste éteindre les moteurs avec Soyuz que je vais pas forcément exploser le lanceur, parce qu'en fait, il va retomber, mm-hmm. il va repasser dans l'atmosphère, il va subir des efforts, donc il oui. va peut-être se casser, par exemple. Il y a beaucoup de scénarios. Oui, notre métier de sauvegarde, justement, c'est de modéliser tous ces scénarios, mm-hmm. de vérifier lequel peut se passer, et même en cas d'arrêt des vannes, on fait sûr que ça n'explose pas avec la redescente. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, parce que là, on est à 19 minutes du décollage, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Vincent, c'est le moment. De toute façon, on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Oui, je rappelle du coup, décollage prévu... Pardon, oui ? Juste, ouais, je pense que j'ai peut-être oublié de préciser un truc quand on faisait l'état du Soyuz, c'est que les équipements sauvegarde, ils sont principalement sur le troisième étage, c'est-à-dire qu'ils sont sur mmh. le bloc I. C'est D'accord. aussi ça qui nous limite dans notre intervention, parce que, évidemment, vu qu'on ne veut pas tout emporter en orbite, en général, ils sont sur l'avant-dernier étage, donc c'est le Z9 sur le Vega, mmh. c'est le bloc I sur Soyuz, et c'est l'EPC sur Ariane, le grand au centre. Ok. Donc voilà, si vous les cherchez, ils sont là. Voilà, vous pouvez vous amuser à chercher du coup les... alors je vois la question de MMG7F. Alors c'est plus par rapport à la mission d'aujourd'hui. Alors la charge utile c'est de la mission d'aujourd'hui, c'est 34 satellites OneWeb. Mais nous en fait on va pas forcément parler de la mission. Si tu veux suivre le, parce que nous on va s'arrêter au décollage, juste après le décollage, et on vous invitera ensuite à suivre la retransmission Ariane Espace, en fait, qui est Ariane Espace OneWeb. On donnera le lien en fait sur YouTube, donc si vous voulez suivre la suite de la mission, c'est-à-dire la séparation des étages et la séparation de comment est la mise en orbite, on vous invitera du coup à aller suivre sur le lien YouTube Ariane Espace OneWeb. Voilà. Alors Robin qui dit la revente de morceaux de fusée. Alors oui et non. On va éviter quand même. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je suis désolée, hein, le chat, je remonte au fur et à mesure. Si de le faire durant toute la mission. Ah oui, c'est ça. Il y a une question de Boubam. Est-ce que. Comment vous détruisez le lanceur en cas de trajectoire non nominale? Enfin, sûrement oui. Et si vous avez la possibilité de le faire durant toute la mission, vous avez un temps limité. Pour en fait, vous avez, enfin pour le faire, mais je crois qu'on avait déjà un petit peu répondu à cette question. Mais si tu peux rappeler un oui, petit peu. Oui, c'est un peu la synthèse de tout ça. Ah, c'est ça. Que je peux le faire tant que les équipements sont à bord, donc c'est tant que je suis en vol des trois premiers étages. Je peux le faire tant que je suis à portée de ma station de télécommande. Je peux le faire tant que mes radars peuvent me dire correctement là où ils se trouvent. Et donc ça me donne un temps limite qui en général Soyuz là ça va être 500, un peu plus de 500 secondes. Mm-hmm. Donc c'est assez long, mais c'est court sur toute la mission. Oui. Et puis on n'est pas des cow-boys, donc on va pas le détruire si c'est nominal ou si y a pas de danger. En général, donc les critères sont confidentiels, évidemment je ne peux pas pouvoir les dire, mais c'est basé sur des dangerosités. C'est on détruit si on juge que le lanceur est dangereux. D'accord. Et d'ailleurs, par exemple, vous pouvez agir jusqu'à combien de temps, en fait, avant le... Enfin, est-ce que, en fait, c'est-à-dire que vous agissez à partir du T0, ou est-ce que vous avez, en dire, la main sur le lanceur ou pas, même un petit peu avant? Bah, c'est un peu pour ça que mes collègues sont venus très tôt ce matin, c'est qu'on peut agir jusqu'à la dernière minute. Donc le petit pavé sauvegarde du MIO, mm-hmm. il peut passer rouge vraiment jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe à la dernière minute et qu'il y a un doute, il vaut mieux s'arrêter et partir demain. D'accord. Donc tout dernier moment, on peut quand même passer, je parlais du...
du bouton manuel là, pour arrêter la chrono, en fait, on l'a dans la salle sauvegarde. Hein. Autant que le DDO qui est dans le bocal, qui l'a aussi. Alors, je vois une. Justement, là, je viens de remettre le MIO, je ne sais pas si tu vois sur l'écran, Vincent. Du coup, pour l'instant, on est toujours ouvert. Donc là, est-ce que j'ai une question de Télaro, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, alors je suis désolée si je le prononce mal. En fait, donc il n'y a pas de retard prévu pour le lancement. Pour l'instant, tout est vert. Météo, ça a l'air d'être vert. Donc, on attend encore le point météo à T-10 minutes. On passera ensuite sur le. Comment? Sur la caméra du lanceur, comment, la caméra pas de tir, ne vous inquiétez pas. Et normalement, on commencera à entendre comment, les annonces du directeur des opérations à moins 10 minutes, si je dis pas de bêtises. Je sais plus s'il y a une annonce à moins 10 minutes ou pas. Donc. Si, si, il me semble qu'il y a une Oui, annonce. ok. Alors, si c'est encore vert à cette date-là, c'est que ça sent bon. Mais bon, je veux pas me prononcer avant qu'on arrive à H0. Comme je disais, il peut se passer n'importe Oui, c'est quoi. vrai. Mais donc, on verra. Ok. Alors, ah oui, c'est vrai, il y a une question, voilà. Comment ça se passe, du coup, par exemple, comment ça se passe avec les clients si le lanceur est détruit? J'ai envie de dire que c'est pas, ça va plus être mon problème à moi, ça va être le Ouais. problème de la chef de mon chef. Mais de toute façon, on a toute autorité pour intervenir si c'est dangereux. On le fait que si c'est dangereux. Donc, Oui. si on est intervenu, c'est qu'il y avait des raisons de le faire. Donc, on n'a rien à craindre là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, quand ils sont quand même prévenus que si vous devez agir, c'est qu'il y a une très bonne raison d'agir, en fait. Donc, ils sont prévenus que quand même, quand ils installent leur, enfin, quand ils choisissent le lanceur, qui a quand même des comment, les manœuvres qui vont avec. C'est-à-dire vraiment, voilà, si vous agissez, c'est qu'il y avait potentiellement. C'est même pour ça qu'il y a écrit autorisation de lancement. C'est le CNES, donc la France, donc elle va dire Macron si je remonte jusqu'en haut, qui donne l'autorisation de lancement en fait. Donc D'accord. pour lancer en France, il faut faire de la sauvegarde et il faut qu'il y ait ça à bord. D'accord. Donc oui, il y a la question du coup de Robin qui disait en fait aussi qui est-ce qui s'occupe entre guillemets de rembourser les clients s'il y a destruction. Du coup, ça c'est pas du tout de ton ressort, c'est plutôt du côté d'Ariane Espace ou du CNES. Je sais pas du tout qui est-ce qui Oui, s'occupe et de les ça assurances. et Et des donc, assurances du c'est coup. là où ça coûte cher chez les assurances. D'accord. Alors. Question de Idarian. Bonjour, bonjour Isabelle. Est-ce que les critères de sauvegarde sont les mêmes que ce soit quelle que soit la charge utile ou par exemple c'est plus strict pour des charges utiles militaires? Joker sur les critères. Mais je voulais pas trop loin de parler Oui, des c'est vrai critères, que t'as pas le donc droit de je vais essayer de discuter pas des répondre critères. sur celle-ci. Ouais, je vais passer. D'accord, bon. Donc désolé Isabelle, on pourra pas répondre à ta question. Eh ben oui, Robin, il faut assurer les satellites, c'est ça. Assurez vos satellites. Alors, je vais voir si j'avais pas des questions que j'avais remarquées ou pas. Un des trucs que je peux dire, c'est que en général, nos opérations, on le calcule avec du temps, c'est-à-dire on a quelques secondes pour intervenir. Donc, vous allez voir que Soyouz, il va décoller, il est beaucoup plus lent que les autres. Mais ça, c'est pris en compte chez nous. En fait, on calcule nos critères sur les dynamiques du lanceur en partie. Donc, Vega qui va super vite parce que c'est de la poudre et que c'est léger, Oui, c'est ça. et Soyouz qui va plus lentement, ça, on s'adapte à ce genre de choses. Hein. D'accord. Ah oui, du coup, oui, c'est ça. C'est Par vrai que vous contre, devez vous aligner du coup sur la poussée en fait du lanceur. au suivi, on voit que c'est différent. Le ressenti n'est pas le même puisque le point d'impact, comme on pousse plus lentement, il va aller plus loin. D'accord. Ok. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le Wisebot qui vient de vous remettre du coup le lien dans le chat. Mais comme je précisais tout à l'heure, hein, je suis désolée, je me répète beaucoup, mais au cas où, j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, d'ailleurs bienvenue. Alors nous on s'arrêtera du coup juste après le décollage et du coup vous pourrez suivre. En fait normalement il y aura la caméra de suivi tout comme c'est prévu.
comment la suite de la mission, en fait, vous pourrez le suivre sur la retransmission du coup de Ariane Espace et OneWeb sur le lien YouTube que vous voyez qui a été mis par le Wisebot. Et vous pouvez également le retrouver parmi les commandes qui sont dans le titre du live. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de connaître l'heure du décollage qui est actuellement dans 11 minutes précisément. Donc 19h09 heure de Paris et 15h09 heure de Guyane. Et vous avez également du coup le lien, la commande OneWeb si vous voulez avoir le lien de la suite de la mission. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est bientôt, enfin c'est ça, on est à... Donc là normalement j'ai le son du... comment ? Du... Alors je fais juste un petit point technique. Je vois que le pas de tir n'est pas encore mis, mais normalement on aura bientôt le point de... enfin, l'annonce du DDO si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que le bouton... Ah oui. Alors Robin, je crois qu'on a répondu à cette question déjà tout à l'heure par rapport à si le bouton rouge était vraiment rouge. Mais oui, le bouton rouge est vraiment rouge. Il y en a même deux. Voilà. N'hésitez pas à regarder si vous avez manqué des informations par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder le replay qui se retrouvera du coup sur la chaîne du Twitch du Centre Spatial Guyanais, là où vous vous trouvez actuellement. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps avant le décollage de T0. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Vincent ? Bah, je vais digresser. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les lancements Soyuz, c'est que sur les photos, on le voit qu'il est tout gris. Et quand on regarde le lancement qui part, il est tout blanc avec la condensation et l'eau qui se forme. Mais au début, moi, j'étais naïf, je croyais qu'il était peint entre temps. mais non, il n'est pas peint, il est bien gris. Hop. Et ben oui, c'est vrai que moi j'avais le même effet sur la Electron de Rocket Lab. En fait, je pensais qu'il y avait deux lanceurs. En fait, je disais, tiens, il y a un lanceur qui est blanc et un lanceur qui est noir. Et je dis, bah tiens, c'est peut-être deux lanceurs différents. Mais non, en fait, c'est le même effet en fait sur tous les lanceurs. C'est juste la condensation, en fait, et la glace, en fait, qui se forme autour, en fait, des réservoirs, des ergols, des lanceurs. Donc, n'hésitez pas à y faire attention quand vous allez regarder d'autres décollages, en fait, de lanceurs, surtout quand ça contraste énormément. C'est vrai que c'est très rigolo. Et du coup, là, c'est vrai que vous voyez que la Soyuz, du coup, est toute blanche. Voilà. Du coup, on est à... décollage, en fait, de lanceur sur... Alors. Hop, je m'entends. On est à moins 8 minutes. On est à moins 8 minutes. Ça veut dire qu'on a passé l'exposé météo de moins 10 minutes. Donc, on est encore vert. Ça veut dire que de ce côté-là, tout va bien. Ça va être reconfirmé à peu près moins 2 minutes, je crois, par là. En tout cas, juste avant le lancement. Et puis, si tout se passe bien, on va partir. Donc là c'est le moment où il y a un silence de mort en salle sauvegarde et tout le monde s'arrête soudainement de faire des blagues. Hop, je regarde juste si au niveau de la technique, non, si on a le son du coup de la caméra, parce que là du coup on n'a pas pu entendre l'annonce du DDO. Je suis en train de régler ça, ne vous inquiétez pas. Peindre la fusée à quelques minutes du décollage, c'est... D'accord. Je sais pas quel système sauvegarde on a mis sur Troposphère 5. Je sais pas. Alors, donc n'hésitez pas, on a encore un petit peu quelques minutes pour répondre à vos questions. Et en attendant, j'essaie de voir côté régie si on peut avoir le son du décollage. Hop. Enfin, parce que là, du coup, on n'a pas le son du. Parce qu'on entend les petits oiseaux, mais je crois que c'est chez toi, Vincent. Mais on n'entend pas les petits oiseaux du côté de la biodiversité du jardin de Guyane. Ouais. On n'entend pas les petits oiseaux au niveau du pas de tir. Alors, est-ce que une question de Logi qui demande, est-ce que le flux vidéo est transmis en salle sauvegarde ou est-ce que vous n'avez que les moniteurs dédiés à la sauvegarde? Ouais, on a un flux vidéo. Si on regardait bien sur la photo de la salle émule, en fait, il y a deux télés et en fait, elles sont là-dessus. C'est-à-dire que le point d'impact, évidemment, il va partir quand le lanceur va commencer à s'horizontaliser, et comme au début il part à la verticale, on le surveille sur les caméras pour que si jamais il ait quelque chose avant de commencer à partir du pas de tir, on puisse le voir. Donc effectivement, il y a deux caméras, on les regarde et puis peut-être 20 secondes après, on les regarde plus, on regarde nos écrans. D'accord.
Je viens de voir du coup une question de Telaro. Est-ce que vous avez l'heure de la réouverture de la route de l'espace? Alors. C'est très pratique ça. En général, de mémoire sur Soyuz, ça se roule et réouvre quelques minutes. C'est-à-dire une fois que le lanceur est parti du champ proche, c'est même avant la fin de la mission sauvegarde, la route se réouvre. Donc c'est très rapide. D'accord. Mais il faut qu'il parte pour ça. Il faut qu'il parte du centre spatial. Alors je remets juste sur la console du MIO. Normalement, on est toujours vers météo. Pour l'instant, tout va bien. Donc on croise les doigts. Ça part toujours. On est toujours. C'est-à-dire que c'est à partir. Enfin, comment? À partir de quel. À combien avant le décollage, en fait, on sait que c'est bon, on peut partir, en fait. Après, est-ce que c'est après la deuxième annonce météo ou pas? Ben, c'est H0. Hein. Mais, Ouais. Mais bon, si à moins 10 minutes, si c'est vert, il y a des grandes chances. C'est ça que je dirais, moi. D'accord. Ce qui est bien, j'ai l'impression qu'on a vraiment pris de l'avance sur l'émission. Donc voilà, profitez-en, on a vraiment du temps pour répondre à vos questions, c'est trop bien. Et du coup, donc décollage du coup, comment? Dans 4 minutes précisément. Dans 5 minutes, pardon. 5 minutes. Donc on coupera du coup nos micros à moins 1 minute, je pense. Donc décollage prévu à 19h09 heure de Paris et 15h09 heure de Guyane. Et puis voilà, donc là après, je vois qu'il y a quand même pas mal de nuages. Est-ce qu'on verra comment? Est-ce qu'on verra bien en Guyane, enfin à côté de Kourou, est-ce qu'on verra bien le décollage du coup ou il y aura moins de visibilité? En général, des nuages comme ça, c'est pas top. Hein. Surtout avec Soyuz qui a une petite flamme orange. Donc, on va le voir décoller. Et j'ai des doutes après sur ce qu'on va voir. Est-ce que là on voit les gros nuages. Est-ce que, par exemple, on pourrait. Parce que même si là, pour l'instant, la météo est au vert, on pourrait penser que ces gros nuages pourraient impacter le lancement. Mais au final, non. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur le lancement James Webb aussi, la météo n'était pas non plus. Enfin, voilà, il faisait gris, il y avait des nuages aussi. Ouais, alors ça dépend des nuages en fait. Ce qu'on veut pas, c'est des risques de foudre, donc des cumulonimbus. Donc si ça se trouve, là ces nuages, ils ont peut-être une masse sèche au-dessus qui les empêche de monter. Donc c'est peut-être que des petits nuages et que de la pluie. Sinon, à moins de 10 minutes, on aurait eu un rouge météo. Ce qui peut toujours arriver s'il y a un autre nuage qui arrive. Mais normalement, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est du mauvais temps. Local. Enfin, c'est du temps local, en fait, il fait souvent ce temps-là. D'accord. Et il y a une dernière question de. Enfin, une dernière question. On peut encore peut-être prendre trois questions grand max. Ah, il y a KFWell qui est en direct de la plage. Bah, profite bien du coup du décollage, profitez bien à toutes les personnes qui sont du coup en Guyane ou même. Alors je sais pas jusqu'à où on peut voir du coup le décollage. Donc. Je sais pas si tu sais du coup. En général, la plage, c'est la plage de la Pointe des Roches à Kourou. C'est un site qui est vachement bien pour regarder le lancement. C'est surtout qu'on est assis avec les bières et les copains, mais c'est pour... surtout ça. Donc voilà, donc profitez bien si vous êtes sur place. Et du coup, la question de Hidarian, est-ce que dans les simulations que vous faites à sauvegarde vol, vous prévoyez un avion ou un bateau dans les zones interdites? Bah nous, non. Ça va être dans les exercices de crise, peut-être ça, justement, parce que nous, on va pas gérer ça. Mais comme on fait des exercices de crise souvent, on peut faire un exercice de crise où on prévient la directrice au dernier moment qu'il y a un bateau ou un avion et qu'est-ce qu'on fait sur le lancement. Nous, on voit pas ça parce qu'on n'a pas le trafic aérien en direct sur nos écrans. Mais du coup, par exemple, si y a un bateau ou un. Comment? Ou n'importe quel avion, vous êtes quand même prévenu s'il y a quelqu'un qui est dans la zone prévue du lancement. Ça dépend lequel. La zone proche, elle est évacuée. Donc oui, là, on sait parce qu'on surveille. Il n'y a pas le droit normalement de survoler le centre spatial. Donc là, s'il y a quelqu'un, évidemment, c'est interdit et ça va peut-être arrêter le lancement. Mais sur les zones lointaines, on ne peut pas faire la vérification du trafic. Et sur la zone que vous avez vue, déjà, c'est pas tout de suite, mais à côté du Groenland, on peut pas vérifier non plus, donc on vérifie oui, mais que ce qu'on peut. Et c'est, je crois qu'il y avait le lancement Astra, justement, ils avaient arrêté avec un bateau. Oui, un c'est avion. Vrai. Bah, c'est ce genre de choses qu'on vérifie, c'est la zone proche. D'accord. Alors, je suis obligée de te couper. On va du coup vous souhaiter un très bon décollage, parce qu'on a une minute, et on reprend. Ouais, bon vol à tous.
Bon voilà à tous et on vous dira au revoir juste après. Et voilà, donc du coup pour ce très beau lancement malgré les nuages. Alors oui, donc vous avez pu voir du coup la croix de Korolev qui est la séparation des éléments qui forment le premier étage de la Soyouz. On s'excuse du coup parce que c'est vrai qu'il y a eu un manque de son, mais apparemment c'était assez général également sur la retransmission à Rennespace OneWeb. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Merci Vincent pour ta présence et pour toutes les informations dont tu nous as donné sur les explications sur la sauvegarde de vol. J'espère que tu as passé un très bon moment. Oui, pas de soucis, c'était sympa. On a vu une belle séparation, effectivement. Oui, c'est vrai. Là, j'avais encore la vibration qui disparaît progressivement. Et merci à tous du coup d'avoir suivi. Merci, j'ai vu, merci pour les follow. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce live. On vous invite à suivre du coup la suite de la retransmission sur le live OneWeb, Arianespace OneWeb. Et on vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de journée et journée si vous êtes à Kourou. Merci à vous et n'hésitez pas à regarder les replays si vous voulez revoir le lancement. Bonne journée, bonne soirée. Merci encore. Merci à toi, Whitney.